Québec maintenant. I had never been so fulfilled in my life. I would do anything for Jim Jones. How do you account for such an avid following? And dedicated to my people. We need to develop our own society. There's no way out. If we can't live in peace, then let's die in peace. As we're flying in, it looked like clothes laying on the ground. No more pain now. No more pain. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la bande-annonce d'un documentaire diffusé sur la plateforme Disney+, qui revient sur un événement tragique survenu le 18 novembre 1978, le massacre de Jonestown. Plus de 900 adeptes de la secte du Temple du Peuple se sont donné la mort collectivement à Jonestown. C'était leur campement qu'ils ont érigé dans un pays d'Amérique du Sud. Tout ça sous les ordres de leur gourou, Jim Jones. Hugo Dumas parle de ce documentaire dans la presse ce matin et des histoires d'horreur qui concernent les sectes. On a entendu plusieurs, j'ai même pas besoin de vous les nommer. Et notre ami Christian Page s'intéresse aux sectes de tout genre et l'histoire du massacre de Jonestown, évidemment, qui la connaît. Il est avec nous pour en parler, Christian Page, enquêteur du paranormal. Salut Christian. Oui, bonjour Elisabeth. Alors Christian, on revient sur cet événement de Jonestown. Je le répétais, là, bon, 900 adeptes qui se sont donné la mort collectivement. Est-ce qu'on peut un peu rappeler les faits? Qu'est-ce que c'est exactement la secte du Temple du Peuple? En fait, la secte est née, elle a été créée dans un mouvement protestant. Jim Jones crée la secte en 1955. Il va profiter du fait qu'il y a encore beaucoup de ségrégation pour réunir, hein, le nom de la secte, c'est le Temple du Peuple. Hein. Donc, on crée une église, on est associé au départ avec des mouvement protestant reconnu, mais Jim Jones va essayer de faire un grand clivage et il réunit des gens de toute catégorie, de toute obédience. Il les réunit à l'ordre dans le Temple du Peuple. On a donc des Blancs, on a des Noirs, on a des hispanophones, on a des gens qui ont été abandonnés par l'Église. Bon, bref, Jim Jones, c'est un peu cet aspect populaire. Hein, le Temple du Peuple, c'est cet aspect populaire. Et donc, il crée la secte en 1955. Il va éventuellement déménager sur la côte ouest américaine et principalement à San Francisco. Il va même faire partie, à un moment donné, du conseil de la ville pour les logements, là, pour les gens défavorisés. Donc, il se fait des collaborations politiques, il s'assure cet aspect-là politique. On a l'impression que c'est un individu qui est très charismatique, il se donne un peu des allures à la Elvis Presley avec ses lunettes fumées puis ses cheveux noirs gommés un peu. Et il est très charismatique et peu à peu, ben, se cache derrière ce personnage un individu narcissique, paranoïaque, despotique, et il maintient les gens. Hein. C'est souvent la grande question qu'on va se poser. Hein, pourquoi ces gens-là vont suivre un individu charismatique à ce point-là? Et éventuellement, Jim Jones réussit à convaincre, hein, il maintient un tel joug sur les fidèles, il réussit à les convaincre que le monde, ils sont en guerre contre le monde extérieur. Et éventuellement, comme il fait lui-même comme individu et leader d'un mouvement religieux, il fait l'objet de vérifications à propos de fraude fiscale, des évasions fiscales. Il est dans le collimateur des autorités. Alors, il réussit à convaincre les gens. Évidemment, il ne dit pas ça aux membres de la secte. Hein. Il raconte toutes sortes d'histoires fantaisistes pour expliquer pourquoi le monde se dresse contre eux. Hein. Eux, ce sont les brebis qu'on va amener à l'abattoir et il faut se protéger de ce monde. Alors, il réussit à les convaincre de créer une utopie. Hein. On va créer un monde à nous. Et ce monde-là sera en Guyane. Donc, c'est un petit pays d'Amérique du Sud. Ils vont se rendre là en 1974. Ils vont créer les premiers bâtiments. Lui, Jones, va gagner de manière définitive ce lieu en 1977. Donc, alors qu'il y a déjà plus de 1000 personnes qui se trouvent dans ce village créé de toutes pièces, qui a plutôt bien réussi. Hein. C'est une commune agricole. Ils ont plutôt bien réussi. Mais en même temps, Jim Jones va jouer la carte de l'isolement. Ces gens-là là, n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Privé de passeport aussi. Il prend leur passeport, donc ces gens-là ne peuvent pas retourner aux États-Unis. Il les isole et dès que quelqu'un manifeste le souhait de vouloir sortir de Jonestown, c'est d'abord, on le menace, on va même parfois jusqu'à la torture. Hein. Des gens vont raconter des histoires épouvantables. Ils se sont battus, ils se sont drogués, gardés dans des cachots pendant des jours. Donc, on brise littéralement ces gens-là.
Et le fait de sortir de Jonestown devient pour eux un crime de lèse-majesté. Et peu à peu, Jim Jones réussit à contrôler ces gens-là. Mais un secret partagé par 1000 personnes ne peut pas rester un secret éternellement. Exact. Et éventuellement, des gens au Congrès, des proches de ces familles-là, vont se plaindre à des élus, et particulièrement à Leo Ryan, qui est un représentant démocrate pour la Californie, élu au Congrès. Il entend parler de ça, il décide, il promet aux familles, dont plusieurs sont de ses électeurs, il dit « Je vais aller à Jonestown, je vais aller rendre visite à ces gens-là et je vais m'assurer de leur bien-être et s'il y a des gens qui veulent partir, ben je vais les inviter à nous suivre. » Et c'est un peu la goutte qui va faire déborder le vase. Hein. Jim Jones, au départ, lorsque Ryan arrive sur place, il est accompagné de journalistes, on lui refuse l'accès, il insiste et tout le documentaire que tu as mentionné, qui avait été évoqué par Hugo Dumas dans la presse, mm-hmm. c'est vraiment un documentaire remarquable. Alors vraiment, ça a l'air que c'est très bien fait. Mais Christian, ce qui est particulier, c'est que autant c'était extrêmement difficile pour les gens de quitter, on l'a dit, le bon confisquer le passeport, mais il y a quand même des survivants qui parlent dans le documentaire. Il y a même le fils de M. Jones qui parle aussi dans le documentaire. Ces gens-là ont réussi à sortir de quelle façon? Est-ce que c'est quand ce fameux politicien est allé les chercher? Voilà, donc on a une trentaine de personnes qui vont suivre Leo Ryan, cette fameuse journée du 18 novembre. Donc, ils sont arrivés la veille. Il y a des gens qui ont passé. Bon, tout avait été mis en place. Hein, donc, les gens applaudissaient, souriaient. Lorsque Leo Ryan monte sur scène, il y a comme un petit pavillon. Il monte sur scène, demande aux gens « Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous voulez rester? » Tout le monde en cœur dit « Oui, oui, on est bien ici. » Mais dès que Leo Ryan quitte la scène, des petits messages commencent à passer comme ça sous les tables. Et on dit « Il y a des gens qui manifestent le désir de partir. » Et là, une trentaine de personnes dès le 18 au matin, vers 10h, Leo Ryan et sa délégation vont se rendre à Jonestown. Une trentaine de personnes vont les accompagner vers l'aéroport, un aéroport de fortune dans la jungle, l'aéroport de Porquetuma. Ils vont les rejoindre, ils vont aller rejoindre un avion. Et à ce moment-là, Jim Jones sait que la partie est jouée. Exact. Ces gens-là, lorsqu'ils seront aux États-Unis, vont raconter l'enfer de Jonestown. Donc, il envoie une horde de gens armés de pistolets mitrailleurs qui vont faire feu sur la délégation de Ryan. Le représentant Ryan est abattu, d'ailleurs. Et Jones, à ce moment-là, fait accroire aux gens qui sont sur place. Il leur dit, hein, le représentant Ryan a été abattu. Lui et sa horde sont décédés. On va réagir, c'est sûr. L'armée va arriver. Ils vont nous envahir. Ils vont vous prendre vos enfants. Ils vont vous tuer. Ils vont vous torturer. Et là, il met en place ce qu'il appelait les Nuits Blanches. Il y avait eu d'ailleurs plusieurs temps, en fait, des espèces d'exercices au cas où ça devait arriver, qu'on appelait Nuits Blanches. Ces gens-là vont se réunir et vont boire le fameux Kool-Aid, là, en fait un jus de raisin préparé avec du cyanure, et ces gens-là vont décéder. On parle de 914 victimes. Incroyable. C'est le plus grand suicide collectif. Et comment les gens ont survécu? Il y avait des délégations, notamment le fils Stephen Jones. Il y avait une petite délégation d'une cinquantaine de représentants du peuple qui étaient à Georgetown, qui est la capitale de la Guyane. Donc, eux ont survécu. Hein. Ils ont appris le lendemain le massacre qui s'était passé. Et lui, Stephen Jones, se trouvait à ce moment-là. Et d'autres personnes ont fui dans la jungle. Et il y avait également des délégations, notamment à San Francisco. Il y avait encore l'église, le temple du peuple qui avait encore pignon sur rue. Il y avait donc encore des délégations qui étaient là. Donc, à gauche, à droite, quelques représentants et bien sûr des survivants qui ont accompagné Leo Ryan, qui ont survécu et qui témoignent dans ce témoignage-là. Et avec une qualité d'image, hein, c'est ce qu'il faut souligner. Chaque moment, je n'aurais jamais imaginé voir autant d'images tournée à Jonestown qu'on peut en voir dans ce documentaire-là. C'est vraiment à conseiller pour tout le monde. Alors, ça s'appelle Massacre de Jonestown. C'est disponible sur Disney+. Très rapidement, Christian, aujourd'hui, au moment où on se parle en 2024, est-ce qu'il y a encore beaucoup de sectes en activité partout dans le monde? Lorsque l'on parle de secte, on voit souvent les dérives. Ça ne représente à peu près que 10% des mouvements sectaires, ces fameuses dérives à la Jonestown ou l'Ordre du Temple solaire. Mais néanmoins, on compte en ce moment plus de 2000 dans le monde, là, recensés plus de 2000 mouvements cultes, sectaires, qui sont menaçants. On dit bien qu'ils sont menaçants. Ouais. Christian Page, merci infiniment. Super intéressant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'était Christian Page, enquêteur du paranormal, pour voir le documentaire Massacre de Jonestown. C'est sur Disney+.